Après une filature, Sacha et Luna coincent définitivement Malet, responsable du meurtre de sa maîtresse dans Plus belle la vie. Kevin, quant à lui, s'entretient dans la même journée avec Emily et Camille, deux femmes qu'il a fait souffrir. Camille, Lisa Cipriani, est déterminée à tuer Kevin, Théo Bertrand, mais elle demande à Jacob de ne pas faire souffrir le jeune homme. Le tueur en série espionne donc le fils de Laetitia qui se rend sur la plage pour un rendez-vous avec Emily, Laurie Bordezoul. Jacob doit donc retarder son geste mais ne rate rien de la conversation entre les deux amoureux. Kevin veut se racheter auprès de sa petite amie. Lebout, lui, parvient à convaincre le jeune homme d'accepter le grade de brigadier pour faire plaisir à sa mère. Toujours très marqué par les événements, il rend visite à Camille dans sa chambre. Celle-ci est surprise et rassurée quand Kevin lui assure qu'il va être sincère avec elle. Sacha, Avi Marcione, et Luna, Anne de Scie, espionnent Malet jusqu'à un entrepôt. Luna estime que c'est dangereuse mais le journaliste est en tête. Elle en finit par les surprendre et s'apprête à passer à l'action alors Luna coupe le contact et Sacha en profite pour assumer l'individu. Rapidement, la police accourt sur place et Malet est arrêté par la police. Ariane fait son mea culpa via vidéo après les avoir lâchés précédemment. Ensuite, Luna apprend que Victoire, Flavie Pin, s'apprête à faire son retour, et remarque que le temps passe vite durant son absence. Retrouvez le résumé de l'épisode du mardi 19 octobre 2021.